Salut à toutes et à tous, c'est Riveless en compagnie de Spyrash pour la suite de Clash of the Titans. Pour vous servir, la dernière fois, Codom, on a fait deux niveaux, donc les 8 et 9. Oui, on a une poupée en bronze, on a bien chié dans la colle sur celui-là. On a oublié un robot. On a oublié un robot. C'est ça. Du coup, on a croisé des nouveaux mutants, des nouvelles bestioles, toutes aussi sympathiques les unes que les autres, et pas très très bonnes pour la santé. Comme donc le jeu des malodorants. Voilà quoi. En termes de stats, on va faire un point vu qu'on va faire le niveau 10, la moitié du jeu. On a 2 étoiles en vie, 3 en tourbillon, 3 en glissade. En soi, c'est pas mal. On est à mi-chemin. C'est ça. On a 41% du jeu visuellement, mais bon, ça compte aussi toutes les poupées et tout. Et comme en termes de poupées d'or, on en a que 2 et un seul niveau complet. Alors honnêtement, tant qu'on n'a pas le tourbillon infini, c'est compliqué pour certains combos. Hein. Ouais, genre le niveau 2 quoi. Épisode 10, debout les morts. Bon, bah ça commence bien. C'est le débarquement en Normandie ou comment ça se passe? C'est un peu le principe, ouais. Écoute, pour limiter les dégâts, je me laisse transporter. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, c'est moi qui prends les dégâts. Vas-y, je te regarde, Spy, y'a pas de problème. Oh mon dieu. Ça va, ça fait pas encore trop mal. Y'a un masque. Non, ça va. Oh là. Non. Non, attends. Y'a du monde. Voilà. Merci. Ah, alors oui, si vous prenez les mines qui tombent, ça tue pas votre mutant, vous sentez juste du mutant. Ah, 1x2. C'est payé. Alors je crois que les sludges des mutants sauvages sont ceux qui prennent qui spamment le plus l'attaque spéciale. Ah, les malodorants. On va devoir en prendre un. Je sais pas. Je crois que non. De toute façon, il y a une bulle après, donc. C'est bon. Pas de poubelle, de poubelle, non, de toilette. Pas la même chose. Pardon, je testais. Ok, ça donne pas de mojo, je voulais en être sûr. Aïe. Ça suffit les conneries. D'accord, même si je suis comme ça, ça marche pas. Ok. Vas-y, prends-en un, t'en as besoin. Oh oui. De toute façon, il a mutant qui va te séparer après, c'est. Oui, oui. Oui, est-il. Faut le casser. Voilà, ça c'est Engine pour bien montrer qu'on est chez lui. Voilà. Donc là en fait on va commencer à s'aventurer auprès de son repère. Et il y a des speakers partout. Ah, on aurait peut-être dû changer de tenue alors. Je sais pas si on a une tenue intéressante. Je crois qu'ils vont se spammer de sludge et de malodorant, donc Mais... Problème de perspective, ça va aller. Ah, y a pas de point, ça me rassure. C'est toi qui spoon ma gueule sur Crash Bash quand je parle de perspective. Ça me rassure que je suis pas le seul. Aïe aïe. Ça va être encore trop mal, ça va pas être pire.
Alors, la poupée, faut qu'on essaie de la choper. Hop là. Mais d'accord. J'ai voulu passer à côté de toi, ça m'a fait tomber. Et moi, c'est la bombe qui... qui t'a poussé dans le vide. Ok, très bien. Un épisode qualitatif qui se présente. Oula, ça a lagué, ça lag de mon côté. J'ai eu quelques freezes. Non mais ça va. C'est pour ça que je suis pas sorti, je me suis dit je vais pas sortir ça, si c'est pour servir de sac de frappe. J'aime bien l'utilité du masque là qui sert un peu à rien, mais bon. Eh si y'a passé devant, ouais. L'énorme statue de Engine. Ah ok, je vais automatiquement TP, très bien. Waouh. Bien comme il est poli. Moi je prends le mojo. Hein. Ah la barbichette. Fait carré carré triangle. Oui. Mais bon, vu qu'il me reste pas beaucoup de vie. Ok, ouais. Allez, je peux prendre un mutant. J'aurais pu prendre le feu au passage. Mais bon, là déjà. Alors, je crois que mon jeu c'est bon ici. Ah non, il y a un singe. Il a été venu bouder. Oh les grosses piles de caisse. Les bidons, c'est génial pour le mojo. Ah. D'accord. Ah, ok. T'es tombé ? Le saut de la boule m'a fait tomber, ouais. Ça le mojo, on va la faire tout de suite. Ah oui. Oui, oui, oui. Oh, les crash attaques. Bon, tout déglingué. Ouais. Et vu les parois, va y avoir des gros mobs. Sludge, je serais mieux avec. Ah, des rappeurs. Oula. Non mais oh. Il y en a un derrière. J'arrive ouais. Pas à taper. Je vais le prendre. Ah, ouh. Des rhino rollers. Ah d'accord. L'attaque m'a touché, très bien. Je vais en prendre un, allez. Pas rigoler. Ah les sangliers, au milieu. Ah, j'aimerais qu'il y aurait des gros mobs. Yay. Déjà, était performant. Ah, il y a des caisses là.
Et y a rien ici. De l'autre côté. Truc que j'ai pas dit sur le x2. Quand vous en récupérez un alors que vous en avez déjà un, vous n'avez pas un x4. Ça prolonge, ça réinitialise la durée. C'est ça. Mais la règle sera différente dans le deuxième jeu. Je vous expliquerai quand je le ferai. Ouais, dégage-toi. Je crois que tu peux le. Ah non. Je crois que tu peux le one shot avec un coup de pied. Quand t'as le masque. Par contre, on va te faire des free patards, toi. Allez, 5 fruits et légumes par jour. Ah! Il arrive pas plus. De toute façon. Eh, il m'en a pas loupé. C'est moi, dans il y le qui sont pas partis. Des... Il y a quelqu'un qui est parti. Remboursé. Oh, l'attaque qui a troll. Non mais ça peut se faire enchaîner ça. Et eh ben ils sont plus là. Putain mais c'est c'est quoi ce jeu? Oh mon dieu. Alors je veux dire, j'avais quand même fait un peu le ménage, on a fait la salle mojo, ils sont tous pop, on tombe dans l'acide, il dépop. Bon, ok. Oh. Merde. On est parti pour un gros big fight. Bon, faut qu'on récupère un masque pour le scorpion, sinon ça va chier. Alors, je vais vous montrer la barbichette. Carré, carré, triangle. Si le fond est bien. Merde, je suis mort. Moi aussi, je voulais montrer l'attaque, mais j'ai pas réussi, il m'a shot. Allez, c'est pas grave. On a plein de vie. On avait plus beaucoup de vie. Aïe. Non. Ok, c'est bon. Je vais te préparer. Voilà. Ils sont chiants. Alors, à truc avoir. Truc important, les trois toilettes sont ici. Et il faudra prendre un rappeur, je pense, ou un truc du style. Non, non, faut prendre le scorpion. Ok. Je l'ai. Alors du coup, il faudra faire triangle sur toutes les toilettes sur le côté pour les avoir. Et que comme ça que tu pourras les choper. Moi je vais prendre les sludge que tu shotes. Donc attends. Triangle tu dis. Ouais. Voilà. Alors attends, on en a eu combien? Alors les sludge vont rip-up à l'infini. Ok. Ah, amélioration, c'est bien. Là, faut aller à la deuxième porte. Encore une fois. Des points! En deux coups, c'est réglé, c'est beau ça. Là, il y a une toilette ici. Ah, côté. Ah, en fait, on a forcément besoin de scorpion parce que autant les générateurs qui sont au sol, on peut les avoir avec un sludge. C'est à la hauteur, on est obligé d'avoir le. L'attaque du coup, il en reste une. Ouais. Je sais. Allez là. C'est bon. Cette épreuve est quand même plus facile en coop. Oui.
les générateurs et on sera bon. Ah. Ah oui, c'est ce qui me semblait, j'avais pas mal vu. Ah, raté. Trop tôt. Bon. Voilà, comme ça. Alors, je crois qu'il suffit juste de rentrer dans l'arrière-train d'engine pour finir le niveau. Et il aime ça quand on lui rentre dans le cul. Avec deux gros bras comme ça. Ça fait tellement classe. Ah. C'était pas si levé que ça pour une fois. Ouais, mais en coop, ils sont quand même beaucoup plus chauds à faire les combos. Vu que le compteur il est pas commun. Oui. Oui. Ou alors il faudrait qu'il y en ait un qui ait les doigts de pied en éventail et qui fait vas-y frère, je te laisse. C'est ça. Je regarde. Je réfléchis au prochain niveau. Je pense pas qu'on ait de costume qui aide. Qui pourrait nous aider. On va y aller YOLO. Je crois qu'on va avoir un nouveau mutant dans celui-là. Épisode 11, le choc des titans. Chose derrière, non. Voici donc l'usine de Engine. C'est de ta faute, idiot. Comme ça va aller, oui. Non, j'ai trop... Qui est bien attrapé maintenant? Oh, le timing impeccable. Ça va de ton côté, c'est ça? Non, mais bon vu. D'accord. C'est une avalanche de coups qu'il lui faut! Donc, Engine va causer comme ça, traverser au parleur pendant toute Destruction, la zone. Volcan Biscuitique. Attention, mes chers et abjects singes maléfiques! Demain, c'est la fête des enfants! N'oubliez pas d'amener votre petite famille pour exécuter les travaux trop dangereux pour les robots. Vendredi, c'est le jour des chemises à rayures. Les chemises à carreaux sont immédiatement récompensées par une punition sévère. C'est tout. D'accord. Ah là là, Engine. Plus ça va, plus t'es fou. La toute petite sphère. Plus de sphère, la victoire est à moi. Prends ça, monsieur plein de poils. Je sens que je l'ai vomi. Voilà. Oula. Oula, ça lag. Oui. De la glace. Oulala. Je crois que les effets de glace, ça fait laguer sévère. Je crois que ça avait mon émulateur et je comprends pas pourquoi. Oula. Oh, ça glisse sévère en plus. Oh là là. Si seulement mon frère George était là. Oh, il a toujours été superficiel. Je les ai les jambes. C'est les effets de givre.
Quasi sûr, c'est quand on est arrivé dans la zone. Je suis quasi sûr que quand on partira, quand on aura fini ici. Il y en a derrière moi. Alors du coup, cette charmante bestiole s'appelle le Frigira. Donc le combo carré classique ou marteau de commun bourrin, ça fait mal. Et la croix, ça... un peu comme le magmadon mais de glace. C'est plus simple. Et le triangle. Une grosse frappe. Non, c'est revenu, c'est juste mon PC qui a voulu faire de la merde pendant quelques temps. Peut-être que t'avais une mise à jour au même moment. Peut-être. Allez, je regardais pas le bon Frigira. M'étonne que ça marche pas. C'est bon. Ah non, il y en a encore. Ah, remarque 130, j'avais pas vu. Tu vois, c'est les effets de glace qui font la gaie du cul. Putain. Tu vois, y'a plus de glace, ça va mieux. Super pour un mob qui est basé sur la glace. Ah, derrière. Ah zut. Ah ouais, d'accord, j'ai visé à côté en plus. Ça spawn tout le temps, c'est merde. Oh, oh, encore spawn derrière. Ouais. Je pense que qu'il y en a 130, ça paraît logique. Je crois qu'il y en a encore. Ouais. Liberté. Encore? Ah, il spawn à l'infini ou quoi? Vu le nombre qu'il y a, j'ai envie de dire que non, mais... Ah, tu fais une grosse vague plutôt que mettre des petites vagues de 3 à chaque fois. Ça semble bon. Ah, ça t'a des pop de rien. Ouais, ça m'a des pop. Je pensais à une émission qui s'appellerait Cyborg Academy. Ah, je peux pas. Ah, c'est vrai que ça t'a des pop. Ouais, viens à toi. On dirait que c'est une salle à un joueur. J'aurais dû les envoyer. On dirait. Ok. Ce que ça veut dire, aucune idée. Allez, bande de mutants, à l'attaque. Là, c'est quoi ce dresseur de Pokémon en mousse, quoi. Littéralement. Allez, pauvres mutants, pontez-lui le train. Comme disent les jeunes, avec leur musique idiote et leur coiffure grotesque. Faut savoir que ce jeu est sorti à l'époque où la mode était à tectonique. Attention, ramassez de pas coin. J'ai perdu ma recette de crêpes. Je vais bien faire le tourbillon. Merci. Le ravitaillement en beurre ne sert à rien si on n'a rien à mettre en dessous. J'ai écrit la recette sur un post-it, mais je ne le trouve plus. Et puis, on a vu Crash Bandicoot dans les environs. C'est le truc qui vient d'année quand ça n'a aucune importance. Enfin, je suis d'accord avec lui, hein. Ça sert à rien d'avoir du beurre si tu peux pas tartiner, hein, si t'as pas de pain, tout ça. Enfin, bref. Alors, les bureaux. Ça sent la baston. Que tu t'occupes de ce lâche.
Ah d'accord. Le truc qui te fait spawn en même temps. Alors on va aller derrière. Et on va tout casser. C'est ça. Il va avoir que pas une fois deux déjà. Oui. Oh oui. Là dans cette zone, avec le mot avec le x2 et attends, il y a encore un siège là. Ah oui. C'est gratuit, autant en profiter. Je sais pas si je peux le taper une deuxième fois pour en avoir un autre. Vas-y, essaye. Ah c'est... Ah non. Non. Zut. Ok. Ah là. Allez. Ça n'a aucun sens tout ce qu'il raconte. Attention mes chers et abjects singes maléfiques. Demain c'est la fête des enfants. N'oubliez pas d'amener votre petite famille pour exécuter les travaux trop dangereux pour les robots. Vendredi c'est le jour des chemises à rire. Les chemises à carreaux sont immédiatement récompensées par une punition sévère. Je crois que derrière... Profite de ta destruction. La poupée d'esquisse, voilà. Celle-là, faut la vouloir. La victoire est à moi. Pourquoi moi? J'étais tout seul dans le coin. Hop là. Allez, on sort. Vous connaissez les... Annihilation, destruction, la lumière, annihilation. Ah, c'est bon. Oula. Cette zone peut être un peu longuette, mais bon. Non, mauvaise touche. Voilà. On a eu le même réflexe tous les deux. Tellement. Arrêtez-le! Il en a après mon pantalon radioactif! Non, tu le gardes, Andy, s'il te plaît. Let's go!
Ok. Ah non, pas fini. D'accord. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Je crois que c'est pour s'asseoir dedans, non? Je sais pas. Alors. Quoi? Ça fait aussi mal que ça? Faut croire. Et on respawn là? Non, à mon avis, il faut peut-être arrêter les flammes. Je suppose. Non, je crois qu'il faut le faire avec. Ça c'est fait. Je pensais à une émission qui s'appellerait Cyborg Academy. J'y serai géant. On va? Ouais, tu vois? Vraiment si haut? Ouais, tu vois, c'est ce que je me disais aussi. Non, il doit y avoir un truc à faire, je pense. Je vous attends. Venez. Est-ce que je me fais toucher maintenant? Ah non, je sais où est-ce qu'il faut passer. Attends. Ces petites friandises. Alors, attends. Ces friandises. De vraies petites merveilles. Enfin, tout le monde l'a vu. Alors. Ça, je suppose. Je serai sans pitié. J'ai jamais trouvé ce truc, t'avoue. C'est de ta faute, idiot. J'ai jamais trouvé ce truc. J'ai réfléchi, je me suis dit, ça se trouve, on est trop bas. On est trop bas pour y arriver. Bon, bah voilà. C'est bien. J'aurais découvert un truc, du coup. Oula, oula. Oui, mais justement, c'est pour ça. C'est une avalanche de coups qu'il lui faut. Aïe, aïe. Non, c'est vitré. Ah zut. Là t'as une fenêtre. Tout loin. Désolé, je fais partie de ces gens qui fait pas la différence entre le vide et... Ouah, ça surprend. Ok. C'est intéressant. Je pense qu'on est bon là. Je crois aussi. C'est pas fini. Oh. Ah, Irina, il y a celle mojo déjà qu'on n'a pas faite. Ah bah cette vidéo va durer plus longtemps que les autres. Ouh. Contrôle le capitaine et brise la porte avant la fin du temps imparti. Ah oui, alors les gros mobs comme l'éléphant blindé et le scorpion sont appelés des capitaines aux yeux du jeu. Donc en gros là, il ne faut pas quitter ce truc. Je pense que si toi t'es à l'air libre, tu peux, mais... Ah, attends, t'as mis KO un... Oh, tu me diras... Putain, il se protège, ce con. Merci. Comme ça. Ah oui, il était caché. Thank you.
Voilà. Complètement. Aïe aïe. Du coup, attends, est-ce qu'il y a d'autres caisses à casser avant que je déglingue Niveau caisse, ça a l'air bon. C'est comme d'habitude. Voilà. Ah, ah ça va faire du bien ça. La troisième barre de vie, ouais. Bon. Baston. La troisième toilette aussi, pas l'oublier. Ah oui, elle est visible. Voilà. Bon, encore 15 sbires à taper. Quel frigidaire aux toilettes. Olé. Il y a des marques qui se protègent. Voilà. À moi. Non. Ah, non. Là-bas. C'est des vestiaires. Mmh. On aime les moments sous la douche. Je savais pas que ce pouvoir faisait laguer autant l'émulateur, mais c'est pas grave. Non, on tapera pas avec ton pouvoir. Ah, il nous en manque des singes, bon, c'est pas grave. On a quoi? Il nous manque des singes. Putain, pour une fois qu'on avait les combos et les robots espions. Voilà. Bon, il va y avoir quelques retouches à faire. Hein. Bon, du coup, on peut passer à lancer cet épisode haut en fail. Bon, ça a été pas trop mal. Ouais, on aurait pu gagner du temps sur une zone, mais c'est pas grave. Oui. Du coup, merci d'avoir suivi. Continue le petit like, commentaire et partage ce qui fait plaisir. Les Discords sont en description et on vous dit à bientôt pour la suite. À bientôt.